Christophe Dugarry ne croit pas à la venue de Zinedine Zidane au PSG. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Zinedine Zidane. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si on est parti. Alors, Christophe Dugarry, les gars, il ne croit pas à la venue de Zinedine Zidane parce qu'il estime que le PSG est trop désordonné. Qu'il n'y a pas une bonne structure pour attirer Zinedine Zidane au PSG, que c'est encore un vrai bourbier. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, les gars? Moi, je pense que Zidane ne viendra pas au PSG dans ces conditions. Pourquoi? Parce que Zidane, c'est un mec qui aime avoir les mains libres. Et je ne pense pas que les entraîneurs qui sont au PSG ont les mains libres. Je pense notamment à Carlo Ancelotti qui a claqué la porte parce qu'il estime que. Il estimait qu'il n'avait pas les mains libres. Je pense à plusieurs coachs qui sont des très bons coachs, hein, mais qui n'ont pas réussi au PSG, comme les Pochettino. Pochettino a joué une finale de Ligue des Champions avec Tottenham, hein, Tottenham. Mais au PSG, il n'a jamais vraiment réussi à mettre son jeu en place. Des mecs comme les Tuchel, il n'a jamais réussi vraiment à mettre son jeu en place. Donc je pense vraiment que les amis, que Zidane ne viendra pas dans ces conditions parce que le PSG n'est pas bien structuré, les gars. Les entraîneurs n'ont pas les mains libres. Tu dois faire ce que le président te demande. Tu as un président qui est trop concentré sur le marketing au lieu de se concentrer sur le sportif. Donc, toutes ces choses-là font en sorte que, pour moi, Zidane, ça sera très compliqué de voir Zidane au PSG. Donc, donne-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Zidane viendra au PSG dans ces conditions? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.